pourrais vous dire que c'est une sorte de plénitude. En fait, il n'y a pas de mot. La liberté. Je crois que c'est ça. Plénitude, liberté, c'est ça. C'est la porte ouverte, c'est vraiment la porte ouverte sur l'extérieur. C'est du plaisir partagé. Madame Sombard nous apporte à la fois son talent, son émotion. Elle le partage avec nous et le spectacle est autant dans ses doigts, dans le son qu'on entend, et autant aussi dans la salle, dans l'émotion que ça dégage. Bonjour. Il y a même des corps qui dansent sur leur fauteuil. Ce qui m'a touchée, c'est ce qu'elle vit intérieurement. Elle vivait ce qu'elle jouait. L'enjeu, c'est le partage de ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire la musique classique. Et là, c'est encore plus extraordinaire pour moi parce que c'est eux qui me demandent le programme avant que j'arrive, au moment où j'arrive. Alors chacun me demande une œuvre et donc c'est vraiment un vrai partage parce que je sais que ce que je vais jouer, c'est vraiment ce qu'ils aiment. Je suivais ses yeux, ses mouvements au fur et à mesure qu'elle jouait. Mais... C'est une grande personne. C'est aussi une coupure dans le temps et dans ce rythme au quotidien. Ils habitent ici. Le quotidien est, je dirais, un peu enfermant. Il est enfermant ici. Ils sont déjà enfermés dans leur fauteuil, dans leur coquille, donc, et dans cette maison, à cet étage. Donc si l'extérieur ne vient pas à eux, ils sont aussi, voilà, c'est pour eux, c'est une ouverture, c'est du vent frais, c'est la vie qui vient à eux. Et une autre vie, une vie de l'extérieur, celle qu'ils ne vivent pas au quotidien comme nous. Il y a quelque chose qui ressort de sa spiritualité, de cette intensité spirituelle qui se communique vers l'extérieur et vers son auditoire. Je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir pu avoir cette grâce de venir voir jouer Elisabeth. Très peu ont le droit de sortir et autonome avec leur fauteuil roulant. Et donc pour eux, que la vie revienne et vienne ici, rentre à la maison, c'est formidable, c'est vraiment formidable. C'est être comme tout le monde, tout simplement, et pas enfermé. Il m'apporte... Cette même joie du partage, d'une vraie communion, de ce silence dont ils sont capables. Vous voyez, quand on commence, il y a le bruit d'une salle, les applaudissements, les petits bavardages et tout. Hein, on vit la même chose un peu partout, qu'on joue ici ou à Pleyel. Et puis, ce qui est magnifique avec eux, c'est la qualité du silence dans laquelle ils se plongent avec moi. Paradoxalement, on peut vraiment vivre ensemble et il me donne ce cadeau que la musique est d'abord inscrite sur le silence. Et je trouve ça absolument exceptionnel. Il y a des rires, il y a vraiment des moments intenses et on le voit vraiment dans les visages de nos résidents. Et pour eux, c'est un moment exceptionnel, vraiment.